C'était une fois une petite boue qui vivait dans la forêt avec sa maille et son paille. Un jour, elle partit camiller dans la forêt pour groupir des flores. « Petite boue, ne t'élonge pas trop !» lui dirent sa maille et son paille. « D'accodac !» répondit boue. Sur le chemin, elle rencontra le piaf qui lui dit « Jour, petite boue, que tu fais ?»« Je groupis des flores !» répondit boue. « Suis-moi, petite boue, je vais te montrer la flore bonitima bellissima !» lui dit le piaf. Bonjour à tous. Voilà, je vous présentais donc Bou et les trois ours. C'était le texte d'Elsa Valentin et vous pouvez voir sur les images les illustrations d'Ilia Green. C'est un album qui a été édité chez l'Atelier du Poisson Soluble, qui est une très très belle maison d'édition avec un catalogue un peu anticonformiste. Bou et les trois ours, c'est donc la réécriture de contes que j'ai choisi de lire pour le Challenge Cold Winter. C'est une réécriture très intéressante, avec un texte, comme vous l'avez entendu, particulier. Quand vous le lisez, les enfants rigolent parce qu'ils ont l'impression que vous avez trop bu souvent. Mais ils comprennent quand même ce qui se passe et on peut faire des jeux sur les mots, l'association, etc. Je vous le conseille vraiment, de par ses illustrations, de par son texte, c'est un album original et intéressant. C'était donc le premier Chrono Kids qui reviendra donc tous les mercredis pour vous présenter des albums de jeunesse et des romans juniors. Je vous souhaite une bonne lecture et à bientôt.